Bonjour à tous, bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Allez, on revient sur le BTC, un petit update rapide qui ne durera pas longtemps. Donc, la phase importante, donc on est toujours ici, comme on a dit, sur une phase de distribution. Le prix doit distribuer. Pour l'instant, les 4228 ici ne sont pas encore fracturés. Donc, le prix est revenu sur la zone d'équalo, donc des niveaux au même niveau. Qu'on constate des niveaux à même niveau, il est revenu ici. C'est la zone qui était achetée pour pousser le prix vers le haut. Donc c'est la zone où le prix, on remarque bien, a été acheté et a fait lutter. Et ensuite a fait lutade. Donc là, l'objectif, bien sûr, de lutade est de prendre les 4228. Donc là, pour l'instant, le prix, c'est normal, il vient ici, il va végéter ici. Il peut donner même une poussée ici, voire même peut-être reprendre ça comme argent. D'accord? Mais on n'oublie pas que la finalité est d'aller casser les 40 228. Ensuite, l'objectif est d'advenir ici dans cette zone de combat, on va dire. C'est une zone de combat hein, où le prix peut être ici supporté, d'accord? Avoir une réaction. Quand le prix reviendra ici, il y aura forcément une réaction. Ok? Car ici, c'est une zone de combat, il y a beaucoup d'échanges, on va dire. Beaucoup d'échanges. Donc, s'il y a beaucoup d'échanges, on ne peut pas la percer comme ça d'un coup. OK? Donc, il y a deux solutions. La première solution, on va checker cette zone-là pour voir si le prix il s'arrête là pour rebondir. OK? Et aller végéter soit ici pour retomber encore plus bas. Donc, étape par étape. Donc, la première zone, on a dit, c'est entre 38 et. Entre 38 et 36, on va dire 38, 36, 38, 37. Si cette zone ici, donc elle tient pas trop le prix, si le prix rebondit et revient là et après continue, et ben après on va chercher, comme je vous ai dit, sous les 34. Sous les 34, voire aller chercher sur la zone des 32, 30, 32. Ok, voilà pour moi. Donc là, on va passer sur une phase corrective. Donc le prix est monté. Ici, un peu verticalement, hein, sans trop de respiration. Donc là, on va subir une respiration. Hein. Respiration du marché. Après un rallye important aussi. Après, forcément, le prix, il va réagir. Donc, il va remonter. Hein. Donc, après, soit il s'arrête là, comme on a dit, soit un peu plus bas. Ensuite, il remontera crescendo vers le haut. On aura ici notre petite alt season. Faudrait que BTC, bien sûr, il traîne quand il va entamer ici sa montée après la baisse, ce qui donnera bien sûr une petite alt season, on va dire de 3 à 4 semaines, voire un mois. Après, on verra comment tout cela se déroule, étape par étape. Je préfère pas trop anticiper, mais je sais que ça va se faire. Voilà, pour les personnes qui me demandent pour leurs alt et tout ça, donc ils atteindront leur objectif. Voilà, bonne journée à vous tous, voilà pour la petite update. Bisous à tous, force à vous tous, et à bientôt. Ciao, ciao.